avant Dr. Elisabeth. Bon, ensuite, nous allons écouter quelques brefs témoignages. De la bouche de personnalités aussi bien, de quelques personnalités aussi bien officielles que ecclésiastiques. Témoignage sur l'impact dans leur vie. Et vous avez le temps de lui, et à Missal et à Mama, au lieu de la salle à vous envoyer. Et alors nous avons passé par le message. Le Seigneur va nous parler par un message qui sera donné, livré par une servante de Dieu. Si maintenant on a l'invité, il y a une copie sur ma compagne. Ce message sera suivi de la prière. Si ma théorie n'est pas à l'ensemble, pour le ministère de l'information, voyez comment la question de la molécule, nous y avons posé un mot là. Ces paroles résonnent encore dans mes oreilles ce matin.
Outa mon akila la natarto kolelo nazali komayo komato bangai. Je voudrais dire que ce n'est pas parce qu'elle est dans ce cercueil que c'est le moment pour nous de prononcer des bonnes paroles. Et il est important de les dire avec sincérité et franchise pour cette grande vision qui a sillonné le monde entier. Une vision qui n'a peut-être pas été très bien comprise. Qui a été interprétée de plusieurs manières. Mais nous croyons que Maman Olangi fut une servante de Dieu et une femme de Dieu. Notre église de la veille avait organisé une grande conférence. Et j'étais venu ici, j'avais pris parole. Elle n'a pas vécu avec nous, je comprends, ici, en République démocratique du Congo, c'est pourquoi on l'a beaucoup cherché. Et pourquoi la Zaki a mis ça à la République démocratique du Congo, t'es pas allé basaki pour le cahier. Elle vit en Tanzanie. Et à Zaki Congo, au école de Tanzanie. Sans plus tarder, nous allons appeler la jumelle. La jumelle de l'héroïne, Maman Olangi Elisabeth Ocho, la servante de Dieu, Bishop Tudor Bismarck du Zimbabwe, qui témoignait aux États-Unis que j'ai déjà connu une grande servante de Dieu qui a un don particulier d'attirer des fous. Elle a une grande communauté au centre de l'Afrique. C'est Maman Elisabeth Ocho. 1000 personnes, c'est une assemblée disciplinée, c'est une assemblée qui aime Dieu, c'est une assemblée qui prie beaucoup, c'est une assemblée qui loue l'Éternel. Merci. Nous allons donc
comité sur ce podium. La servante du Seigneur. On s'agit dans le boulot. Pour le message qui va précéder l'état de mort des jeunes de feu. Elle nous vient de la Côte d'Ivoire, mais pour l'instant elle réside aux États-Unis. Qui est là depuis ce matin, malgré la fatigue, la chaleur, que le Seigneur vous bénisse aussi pour tout ce temps que vous passez en ce lieu. Je voudrais vous dire que ce n'est pas du temps de perdu, ne soyez pas pressés, passez ce temps et véritablement vous recevrez au-delà de ce que vous pouvez imaginer. C'est vrai que le temps est parti, mais je vous demande de ne pas regarder vos montres, pas à cause de moi, mais à cause de cette vaillante héroïne du 21e siècle pour laquelle nous sommes là. Je vous demanderai vraiment de rester jusqu'à la fin. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, je n'avais pas de référence. Vous savez, souvent dans les nations, lorsqu'une personnalité, lorsqu'une personne d'un haut rang meurt, on met les drapeaux en berne. Et les morts mettaient les drapeaux en berne à cause de Maman Olangi. Elle a marqué ma vie. Elle a marqué la vie de millions de personnes. Que le Congo sache lui rendre l'honneur. Chef du gouvernement. Donc au sein du Congo, on a mon câble pour le matin, le premier ministre. À s'avancer aussi avec sa chef de feu. Ah, il y a fait comme on a dit pour la foulée. Et la déposer devant la dépouille de l'héroïne du 21e siècle. Ah, il y a un bon mot. Les bossiers de la LOP, moi aussi, moi et Kékéli, en tout cas, dans mon corps. Monsieur le Premier ministre n'est pas seul, il est accompagné de son épouse. Azali est maître, Azali est le bon appareil. Et voilà. Merci. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre et Madame. Nous allons ensuite demander
Je conseille que c'est quoi, non? Monsieur le président de CNSA, dans mon cabinet au CNSA, monsieur le président de CNSA, merci, c'est le président du CNSA, monsieur Olivier Lantoine. Mon cap du CNSA, il est bon pour pas au même temps. Et nous allons, juste après, on a si mal à vous, interrompre pour recevoir le mot de la famille. C'est monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa, Wanda-André Kimbuta. Voilà les années de Moya Kévi. Et Goumba et tout Kinshasa, André Kimbuta, d'un côté à mon niveau que les RMB. Il a fini de déposer sa chaîne de feu. Assez ce qu'on connaît plus tard. Il va saluer et consoler. Est-ce qu'on peut y adresser la guerre de l'armée?
Président, président, président,